qui s'amène, c'est Étier qui travaille devant Maisonneuve. Béliveau remet. C'est maintenant au tour de Véro. Véro qui va s'échapper. Véro qui s'amène seul devant le gardien Étier. Et goal! Antonin Véro, c'est 1-0 Gatineau. Quelle sortie de zone des Olympiques. On s'assure de sortir la rondelle rapidement. Et ensuite, Zach Dean en plein centre qui repère. Antonin Véro s'amène fin seul. Fin du revers, de gauche vers la droite. Et Véro qui ouvre la marque après 1 minute 6. Aujourd'hui, au centre, Slush Poppy. Les deux travaillent en fond de territoire. On est rendu déjà à la gauche du gardien de La Fontaine. Intercepté par Riley Kinney. Qui remet à Luneau. Luneau un tir. Kinney passe à son coéquipier. Ça reviendra à Dean. Dean bloqué en défensive. Ça revient à Luneau à la ligne bleue. Luneau à Kinney. Kinney s'avance un tir. Oh. Et goal! Riley Kinney déployait. C'est 2-0 Gatineau. Quel tir de Riley Kinney. On en parlait en début de match. Doit prendre parfois un peu plus de tirs et souvent très généreux. Cette fois-ci, voit l'ouverture directement dans la lucarne. Vient battre le gardien des Cataractes de Shawinigan, Rémi de La Fontaine. Tire des ligues majeures de la part de Riley Kinney qui obtiendra une mention d'assistance. Tristan Luneau. Maintenant... C'est la 7, là, sortie vers Huard. Huard qui s'avance, harponné par Boutin. Beau jeu de la part de Boutin. Oh, c'est Luneau qui perd la rondelle et un bel arrêt. Aujourd'hui, oui, un beau jeu de Boutin, mais après ça, un mauvais jeu. À la ligne bleue à la 7. La 7 prend son temps. Bon travail de la part de Chisholm là, qui l'embête, ne peut tirer. Ça reviendra à bout. Bout à Huard. C'est un tir! Retour! Et con. Ça a été un premier tir stoppé par Despatie. Malheureusement pour lui, long retour. Et c'est Bonnefond qui vient créer, qui vient réduire l'écart à un but. C'est un excellent tir de la part de Stéphane Huard Junior qui a bon tir bas sur la jambière droite d'Émeric Despatie qui fait le premier arrêt, mais il n'y a plus rien sur le retour. Impossible de contrôler également. En sortie de territoire, lob jusqu'au centre. On dit qu'il va revenir à Riley Kinney. Kinney par derrière avait tenté de rejoindre Gendron. Gendron vient chercher Hondel. Gendron qui s'amène, tiens! Et goal! Gendron du revers vient marquer. Et c'est 3-1 Gatineau. Il y aura double échec à bout. Alors, avantage numérique. C'est aussi ça, les Olympiques de Gatineau. Pas nécessairement le meilleur début de deuxième période, mais quand on retourne à l'attaque, tout peut se passer. Et Alexis Gendron qui y va d'une pièce de jeu digne des Jeux de la semaine. Bon travail d'Olivier Nadeau en fond de territoire. Remet pour Gendron qui revient, lui, devant le filet. Se moque du gardien de but de La Fontaine et surtout du défenseur qui était devant lui. Cormier qui s'avance d'une seule main, remet profondément. Lui va aller chercher un changement, lui, parce qu'il était sur deux descentes vers... Le gardien revient. Passe à l'enclave. Tire La Fontaine. De La Fontaine qui vient. Kinney passe vers Nadeau. Nadeau à Kinney. Kinney qui a la difficulté à garder l'ondée sur son bâton. Ça reviendra à Nadeau. Transversal à Dean. Tire. Oh, c'est De La Fontaine qui a senti de son coéquipier. C'est Véro maintenant avec l'ondée. Revient sur ses pas. Remet à Savoie. Savoie au cercle de mise en jeu. Passe à Luneau. Luneau de l'autre côté. C'est pour Cormier. Cormier s'en tire. Et goal! 4-1. Et sur le jeu. Tristan Luneau ramasse son 78e point pour un défenseur et vient égaler la marque de Erie Fisher. Le plus de points pour un défenseur en une saison. Tristan Luneau, 78e point. On devra aller porter la rondelle au banc, messieurs, s'il vous plaît. Oui. Rondelle record. Tristan Luneau, maintenant au premier rang dans cette grande histoire des Olympiques. Son prochain point, il sera sur l'aile. Bonnefond avec le disque, laisse derrière pour Étier. Il a fait une chute et ça sera 4 contre 1. C'est tout d'abord Riley Kinney avec l'ondelle. Kinney avec le disque, remet à Nadeau. Nadeau s'avance, tire, stoppé par De La Fontaine. On a fait une chute. On était chanceux peut-être du côté de Cormier. Chanceux, On aurait dû avoir une pénalité du côté de Cole Cormier, je crois, sur le dernier jeu. C'est Cormier avec l'ondelle, remet dans l'enclave à Luneau. Luneau tire et goal! Tristan Luneau! 79e point pour le défenseur gatinois. Maintenant, seul au sommet des pointeurs pour un défenseur en une saison avec les Olympiques, vient de dépasser officiellement Erie Fisher. Troisième point dans ce match pour Tristan Luneau qui fête le tout en grand ici au centre Slush Poppy devant
Une salle comble, Tristan Luneau. Wow!